J'explique. Amen. À partir, nous venons de consacrer, nous venons de rentrer en 2016. Nous avons accueilli 2016 et 2016 de rentrée, n'est-ce pas? Ça, c'est cette nuit. Le lendemain, c'est-à-dire le 22, nous faisons la même chose. Mais écrivez chaque mois les 12 mois sur feuille. Vous écrivez les 12 mois sur la feuille. De janvier, février, mars, jusqu'à décembre. C'est sur feuille. Et les soirs, comme on l'a fait à minuit, c'est une action. À minuit, tu commences à parler au mois. Mois de janvier, mois de février, jusqu'au mois de décembre, vous parlez, vous adressez. 3 mois. Vous savez, la vie est faite de programmation et de déprogrammation. Pendant que nous rentrons en 2016, il y a des choses que Dieu a programmées contre toi. Vous allez attendre les aveux de sorciers. Non, on a programmé quand? Dans tel mois. C'est déjà programmé. Ce qui t'arrive là, c'était déjà programmé. Or, nous avons la puissance de la déprogrammation. C'est ce qui n'existe pas chez le diable. Lui, car il ne s'est pas arrangé. Or, tout c'est une question de programmation. Quand vous déprogrammez, vous programmez les choses. Quand vous déprogrammez, vous programmez les choses. Ça fonctionne de ça que le mois là, ça fonctionne de ce que tu dois programmer, que le mois va se mettre en action. Je prends le mois de janvier, j'ai déprogrammé. Ce que vous devez déprogrammer chaque fois que tu vas réveiller dans vos paroles, la mort, parce que c'est ça la mort prématurée. Il y a les mois, il prévoit toujours, il programme la mort. Donc vous déprogrammez la mort, vous déprogrammez l'accident, vous déprogrammez toute forme de maladie, vous attaquez aussi la pauvreté. Et vous déclarez que le mois là, de janvier, m'apporte le bonheur. 3 janvier. La rencontre, je dois avoir l'argent. Vous parlez. Février, c'est ce que vous allez faire jusqu'en le 12. Est-ce qu'on m'a bien saisi? C'est bien saisi? Vous finissez, l'année est consacrée. Amen. Parce que c'est une question de programmation. On dit, c'est qu'un homme aura semé et le moissonnera. Qu'est-ce que tu as semé et puis tu récoltes quoi? Ah, c'est l'affaire des igames. On va récolter. Toi, tu vas au champ. Tu as semé quoi, ça dit? Tu as fait quoi dans ton champ? Si ce n'est pas igname, tu es un voleur. Voilà, sinon c'est ignorant, la récolte des ignorants que tu as allé au champ. Mais tu n'as rien fait au champ, tu as récolté quoi? Or, on est récolte que c'est qu'on a semé. Or, la parole est une semence. C'est ce que la Bible dit que et le semeur sème la parole. C'est le grand secret. Les sorciers, vous voyez là, un programme. Bon, on l'a attrapé, non? On le programme. Mois de mars, lui, il a 9h. En mars, à 9h, le 9 mars, à 10h, tout il meurt. C'est déjà programmé. C'est comme une bombe. La bombe, vous voyez là, c'est programmé. Hein? On programme la bombe. Si tu n'as pas désamorcé la bombe, elle s'explose. N'est-ce pas? Elle s'explose. À l'heure indiquée, pas la bombe s'explose. C'est comme ça qu'elle programme. Le jour indiqué, paf, le mari est à terre. C'est pour ça qu'il ne jouait pas. À partir d'aujourd'hui, jusqu'au 12 janvier, ce sont des recettes que je vous donne, commencez à faire les programmations. Amen. À partir d'aujourd'hui, jusqu'au 12 janvier, ne restez pas dehors. Ah, jusqu'à en minuit. Il ne faut pas que minuit vous trouve dehors. C'est pas bon. Amen. Parce que c'est à partir de là, du 1er jusqu'au 12, que l'année se construit. L'année se construit. Vous savez que Dieu ne joue pas le commencement. Le fondement de toutes choses importantes. Tu as construit l'année comment? Tu as démarré ça comment? Amen. C'est ce que tu vas faire, poser comme action, c'est ce qui va t'accompagner. Amen. Évitez de rester en train de parler des choses inutiles. Évitez de compagnies bizarres. Soyez dans la spiritualité. Durant le 1er jusqu'au 12. Et commencez à faire un agenda. Et ça, c'est important pour vous, pour chacun d'entre nous. Je te dis que l'an 2000, avant qu'on atteigne 2016, fin 2016, j'aimerais que telle chose s'accomplisse. Amen. C'est tout. Et comme ça qu'en 2016, en décembre 2016, si on se rencontre ici, que ce soit des témoignages. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on m'a bien saisi? Amen. Vous êtes venus. Maintenant, j'ai une dernière recette. La dernière recette, c'est quoi? C'est-à-dire, quand tu finis, matin avant de sortir, c'est une action prophétique. Hein. Ça n'a rien à voir avec la sorcellerie. Les gens, oui, vous prenez de l'eau versée. Parlez à la terre. Vous dites moi. Parce que la terre a des oreilles. Quand vous lisez un peu maintenant le chapitre, combien 32, n'est-ce pas? 32, non? 32. Non, c'est 32. 32, vous comprenez que la Bible dit terre, terre, écoute. Donc vous versez. Nos parents, il y avait cette révélation-là. C'est aussi parler à la terre. Vous versez. En mettant même quand les bénédictions, j'ai versé l'eau. Donc vous parlez à la terre. À partir de ce matin, quand vous rentrez chez vous, commencez à faire une action. Parlez. Amen. Commencez à parler à la terre.
Est-ce que vous m'avez saisi? Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Quand vous sortez les 5 heures, vous avez fini votre prière prophétique. Durant tous ces 12 jours, sortez par les bénissez. L'année qui m'apporte tant, tant, tant. Vous avez la terre enregistre les choses. Et c'est fini, vous avez beaucoup l'année. Vous allez voir que tous les problèmes de visa, problèmes de voyage, tout ce qui est des visas, ça a obligé de venir. Amen. Voilà. Et puis maintenant, le dimanche, par la grâce de Dieu, on aura l'occasion de vous donner encore d'autres recettes. Amen. Voilà, c'est une question de secret. C'est tout. C'est ce qu'il dit aux gens. Pourquoi pas l'argent, c'est un secret. Si tu as ce secret-là, l'argent vient chez toi. C'est une question de secret. Si tu, tu connais le secret d'argent, ça va venir. C'est les choses que vous donnez. C'est pas malédiction, c'est pas fait de sorcellerie, c'est même pas la magie. Amen. David dit, psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Quand tu as Dieu, il a la roi et l'argent, et toi tu mendies. C'est que toi tu as un problème. J'ai été choqué par un jour par les juifs, parce que j'apprends beaucoup hein, avec les juifs, les lobbies, les juifs, les rabbins juifs. Ils m'ont dit, si tu vois une personne pauvre, c'est que Dieu est absent dans sa vie. Ça m'a choqué, mais j'ai dit la vérité. Comment lui qui a l'or et l'argent, lui il est dans ta vie, puis tu es pauvre. Il faut revoir ta vie. C'est pour ça que tous les juifs sont riches. Ils disent quoi? Quand quelqu'un est riche, il est difficile pour cette personne de diminuer contre Dieu. Son adoration est parfaite. Mais quand quelqu'un est pauvre, il boit toujours. Pour le corrompre, c'est facile. Pour le corrompre, c'est facile. Amen. Amen. C'est pour ça que vous devez chaque jour prophétiser sur vos vies la richesse. Vous devez prophétiser. Dieu, c'est ça. Le bien, vous savez, c'est vrai la spiritualité. Mais j'ai l'habitude de dire aux gens, la richesse là, c'est le pouvoir. On chasse les démons, c'est le pouvoir du ciel. Mais le jour que tu vois l'argent, ta famille oublie de t'aimer. Ou bien, ils sont obligés de t'aimer. Amen. Même s'il était ton ennemi. Il oublie les filles semblant même. Mais si demain, camaraderie, toi, demain, il va avoir un problème. Le lieu est un problème de tuer. Même quand tu commences à avoir l'argent, tu lui mets grand frère. Allez, mais le grand frère là, tu dis, mais allez voir le grand frère, mais il est grand frère comment? Il est grand frère comment? C'est toi qui es grand. Allez chez lui, il est grand frère comment? Il a fait quoi? Du coup, petit devient la tête. Toi qui es que là, on te positionne à la tête. C'est pour ça qu'il est important que Dieu nous bénisse financièrement. C'est pour ça que, frère, il faut commencer à entreprendre. L'année 2016 est une année d'entrepreneuriat. Oui, c'est une année commencer à entreprendre. Si tu as un petit magasin, ouvre ça, tu commences. Amen. Alléluia. Je suis en train de consacrer du sel. Voilà. J'ai consacré ça. Le dimanche, je vous donnais. Vous allez les jeter chez vous parler. Amen. Celui qui est bizarre, si tu vas s'enfler à mourir. Il y a des choses, on n'a pas envie de vous donner. Oui. Mais oui, je constate ça, il te donne. Chacun a son secret. C'est pas vrai. Entre Satan et Dieu, qui a créé qui? Quoi? Lui, il triche Dieu. Il a créé quoi? S'il va pécher. Ah, mais c'est péché, il a créé. Oh, les prophètes, vous voyez là. Si un prophète ne fait pas action prophétique, c'est un prophète. Ça veut dire qu'un saint prophète a dit quoi? Je viens, je prie, je parle, non? Je te dis ce que tu dois faire. C'est ça qu'on appelle action prophétique. Nous, on reste pas dans la parole, prière. On te dit, va faire ça. Et c'est ça qui marche. Amen. Il y a trop de choses qu'on n'a pas envie de vous apprendre. Parce que vous devenez dangereux. C'est ça que moi, vous savez, quand vous maîtrisez les secrets, vous faites peur. Amen. Il y a des choses que vous maîtrisez. Vous allez faire peur aux gens. Le pain où manger là, c'est très dangereux. Le pain où est là, c'est très dangereux. Vous m'y allez. Amen. C'est des symboles bibliques. Le vin, vous voyez là, c'est très dangereux. Il y a des choses, je vais vous montrer. Parce qu'il faut qu'on atteigne notre dimension. Tu ne peux pas venir jouer moi, puis t'as parti. 2016, j'ai commencé. Puisque vous avez commencé à être grand, j'ai commencé à vous montrer des secrets. Amen. Amen. Alléluia. On va sur le même terrain, moi, il gagne. Je dois gagner. Amen. Tu n'as pas l'argent, les minutes ici, tu dois avoir l'argent. Ça, c'est un secret. Si vous connaissez ce secret-là, la votre poche n'est jamais vide.
Les gens qui ont commencé à vous regarder là, c'est le témoignage qui les intéresse. Ce n'est pas ta Bible, Luc Segond, Scofield que tu attrapes, ou même Thompson. C'est qu'est-ce que... Mets-toi devant moi, monsieur. Tu es derrière, tu t'entends pas l'image. C'est ton témoignage. Tu vas à l'église, il y a eu quoi qui a changé? Tu vas à l'église, il y a eu quelle différence entre celui païen et toi? Or, s'il commence à constater que tu es béni, c'est lui qui t'approche. Voisin, ça va? Ah, voisin, tu pries. Pour toi, tout est bien chez toi. Tu n'as pas besoin de prendre le micro pour crier. Vous êtes démons dans le quartier. Les sortez feu. Il y a des gens qui crient dans le quartier. Ils crient à 5h du matin. Montez-moi en prison. C'est trop à l'ordre public. On n'a plus besoin de ça. Toi-même, tu dois être le 5e évangile. Le voisin te voit partir du quartier, il te chante en seulement. Ça te riche, et chez toi. Il avait s'asseoir, il est obligé de composer à toi pour demander ton secret. Mais c'est toi qui vas toujours du voisin. Je peux avoir qui magie. Voisin, s'il te plaît, je peux avoir 2000 kilos de riz. Voisin, donne-moi une. Tu as déjà préparé. Tu fais marcher chez le voisin. Comment le voisin te prend au sérieux? Amen. Et regardez Lazare, on dit le pauvre Lazare, n'est-ce pas? Le pauvre Lazare, n'est-ce pas? Quand vous lisez l'histoire du pauvre et puis du riche, quand il regarde cette histoire-là, j'ai dit, c'est à cause de Lazare que le riche est parti en enfer. Vous allez me condamner? J'explique. Toi, tu dis, tu connais Jésus, n'est-ce pas? Et mais moi, ce qui est fait dans la poubelle, là. C'est ça, tu viens manger un chien. On lui son désir, c'est de te rassasier de ce qui tombait dans la table du roi, hein, du riche. Toi, tu as venu me dire Jésus est bon, je crois ça. Je crois ça. Quand les deux sont rentrés là-bas, l'autre est mort, l'autre est mort. L'autre, on le voit avec Abraham. Quand le riche a vu Lazare avec Abraham, il est choqué. Il s'est dit non, c'est pas possible. La place où est Lazare, là, c'est ma place. La presse qui sortit, il ne s'est même pas adressé à Lazare. Lazare ne l'intéresse pas. Il dit, Père Abraham, envoie Lazare m'envoyer de l'eau. Vous comprenez? Ça dit, toi tu vas te reposer et puis on t'envoie. Tu deviens boy de quelqu'un. Vous comprenez? C'est pour dire, si ta vie n'influence pas les gens auront enfer. Les gens iront en enfer. Non, Jean 3, le verset 16, Dieu aimait le monde. Qui ne sait pas que le paradis existe? Qui ne sait pas? Qui ne sait pas que l'enfer existe? Mais quel est l'impact de l'évangile? Jésus là, il a fait quoi pour toi? C'est ce qui intéresse les gens. Si tu dois toujours mendier, qui va t'écouter? C'est ça qui évitait ça. David était clair, il a dit, j'ai été riche et j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste mendier, ni sa prospérité de paix. Sauf ça que les justes sont puissants, parce qu'ils ont compris qu'il y a un secret. Quand Dieu est dans ta vie, c'est la prospérité. Amen. C'est la prospérité. Quelqu'un qui n'a pas mangé une semaine, quand il m'en a bien demandé, ça va? Laisse-moi, hein. Je vais à l'église, à Pénier, chez le prophète. Non, c'est pas fait d'aller à l'église. Ça va? Monsieur, vous voulez me dire quoi? Vous êtes vaincu. Que le monsieur dit, tiens, 50 000. Monsieur, ça va? Je peux avoir vos numéros. Vous savez, il m'a caché d'avoir le numéro du monsieur. Parce qu'il s'est dit, mais si le monsieur m'a donné 50 000, c'est un bonjour. Maintenant, s'il m'a caché chez lui, c'est pas 200 000 qu'il va me donner. Amen. Or, il faut entreprendre. Il faut commencer à faire des affaires. Il ne faut pas que le diable vous attaque. Lorsque vous êtes puissamment, vous serez puissamment assis financièrement, le diable aura peur de vous. Votre famille aura peur de vous. C'est pas vrai, je parle à la langue. J'ai chassé 5 démons à l'église. Vous allez voir aujourd'hui, il y a ma Bible. Je connais tous les versets de la Bible. Ça ne dit rien à ta famille. Vous êtes des démons, ça ne dit rien. Quand on commence à te voir puissant, or la puissance, c'est la puissance financière. Quand tu vas te commencer à te voir puissamment, financièrement, si tu vas commencer à avoir beaucoup de respect pour toi, le monnaie de tes palais va changer.
ils vont te parler avec beaucoup de respect. Parce que c'est ça que tu as le pouvoir. Non, il parle la langue. Ça dit rien à ton frère. Tu sais chasser les démons de sorcellerie. Ça ne dit rien. Quand tu as commencé à être assis financièrement, les gens commencent à vous respecter. C'est pour ça que Dieu, sa présence dans votre vie, doit vous apporter la richesse. C'est pour ça que Jésus a banni la pauvreté, la croix. Et que cette année vous apporte la richesse. Bien amen. Amen. Oui, la richesse. Or, le secret de recevoir, c'est de donner. Et les gens s'en vont. Reçois 20 des sorciers. Amen. Et si vous donnez, vous allez recevoir. Ce n'est pas parce qu'on fait malin. C'est le secret. C'est la loi de la nature, le donner, le recevoir. Si vous allez donner beaucoup, vous allez recevoir beaucoup. Vous donnez peu, vous allez recevoir peu. Moi, c'est mon secret. Quand je me sens, quand je sais que je suis moisi, il m'a donné. Pas parce qu'il fait malin. Parce que c'est qu'en donnant, Dieu me donne. Oui. Dieu cherche une personne par laquelle passer pour bénir d'autres personnes. Il y a des gens qui sont pauvres, qui sont malheureux. Donc quand Dieu pense que toi, tu te mets à sa disposition pour nourrir, il t'utilise pour nourrir d'autres personnes, il est obligé de te bénir. Amen. Amen. C'est le secret. C'est parce que les prophètes sont malins, ils ont la loi, ils ont tout. C'est le secret. Amen. Amen. Donc que Dieu bénisse. Amen. Je vous assure que c'est une année de gloire. Amen. Amen. L'année 2016, c'est une année de gloire. Ne jouez pas avec les 12 jours de l'année. Le premier jusqu'au 12, prenez ça au sérieux. Il y a 12 mois et les mois doivent se consacrer. Amen. Je vais développer les thèmes au fur et à mesure, les certaines choses ce dimanche-là. Je vais développer certaines choses pour que vous soyez spirituellement assis et que vous ayez beaucoup de connaissances spirituelles. Parce que c'est ça. Or, nos anciens, comme aller au ciel, au paradis, on ne fait pas pécher, on ne fait pas ça. Or, il y a des secrets qu'il doit connaître. Tel que le roi, les gens ne savaient pas qu'on doit prier à 4h du matin. C'est biblique. C'est moi qui leur ai donné le secret. C'est moi qui vous ai donné le secret du roi. Il y a plein de choses que je veux savoir. Amen. Non, je suis arrivé au stade, je ne dois plus être pauvre. Ce n'est pas possible. Parce que je connais. Comment envoyer l'argent dans ma poche? Ce n'est pas de la magie. Amen. Leçon 23, vous voyez là. Si vous reprenez ça à partir de 4h du matin, vous allez avoir l'argent. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut connaître Jésus? Chante toute la chanson.
music. Je tenais à dire merci. I told you to write it to you. Merci. Excusez, je suis translate. Je tenais à dire merci à l'église. Give me mercy, brother, at l'église. Merci. Libérez le micro du prophète, s'il vous plaît, messieurs les techniciens. Si vous avez encore les paquets, on va enlever tous les dents. Amen. 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 Prends le micro. J'ai lu un peu tout. Là, vous avez lu longévité, là. Ça va, j'ai demandé aux gens qui voulaient manger. Amen. Amen. C'est la longévité. Amen. 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 Voilà, je peux dire que c'est l'année où j'ai été attaqué sur tous les fronts. Et physiquement, et tout ça, quand je partais à Paris, j'avais les lèvres enflées. Et tout ça, ça n'a pas été facile pour moi. Mais vous dites, le combat continue. Et puis, je crois tellement à ma destinée. Et en même temps, je savais de tout mon cœur qu'il y avait des personnes dans le secret, tel que le président. Lui et moi, ça ne date pas de maintenant. Voilà, il y a longtemps que nous sommes dans la lutte. Et c'est vrai que être dans cette histoire, vous aurez naturellement beaucoup d'ennemis. Parce qu'il y a plus d'enfants du diable. Voilà, il y a plus de ceux qui sont enfants du diable. Donc, nous avons délivré les personnes ici. Et puis, maintenant, on a vu une vidéo postée sur Internet où un petit bruteur, un grand bruteur qui a fait des aveux ici, qui tuait les enfants, tout ça, qui voulait même tuer sa maman. Donc, on l'a délivré. Les amis bruteurs l'ont récupéré pour dire, pour se retourner contre moi avec des paroles. Et c'est dans cette même vague-là qu'un certain mystique, Asie 47, fait poste une vidéo pour dire le prophète va mourir avant la fin de l'année. Donc, j'ai eu une attaque physique. Mais malgré ça, j'ai banalisé. Le même, la télé, s'il vous plaît, la même télé m'approche pour demander droit de réponse. Il dit, mais c'est moi qui dois faire de réponse. Pourquoi c'est vous qui pouvez me demander droit de réponse? Le monsieur dit, je vais mourir en fin d'année. Mais il n'est pas encore fin d'année. Attendez. Qui dit, tout ce qu'il a attaqué, dit, ils sont tous morts. J'ai dit, bon, ok. Moi, je sens qu'il est cru. Amen. Quand j'ai écouté les deux vidéos, c'est un menteur d'ailleurs, il ne me connaît même pas. Il me dit, je suis Dida, je n'ai jamais Dida, ma mère est peur. Il dit des choses qu'il ne sait même pas. Ok. C'est un grand menteur. La preuve, c'est que je suis vivant. Amen. Ça, c'est une preuve. Je suis très vivant, je vivrai encore. J'ai dit, mon droit de réponse, là, c'est son mensonge. Là. Comme il dit, je ne vais pas voir l'année 2000. J'ai l'article, on a le journal, hein, c'est là. Mais c'est dans quelle nation où une personne fait des menaces de mort? Moi, je suis venu, je ne suis pas plaint, je n'ai pas fait de plainte. Ma plainte, là, c'est maintenant que ça va venir à la conférence de presse. Amen. Yes. Parce que je ne suis pas n'importe qui dans la nation. Amen. Nous partons en Europe pour dire aux gens, venez investir en Afrique. Nous sommes des agents de développement. Eux, ils sont là en train de couper et égorger les moutons, les bœufs, souvent le sang humain. C'est ça, ils ne veulent pas voir. Ils égorgent les gens, ils tuent les gens. Vous n'allez jamais voir ce gars mystique-là parler de la sorcellerie. Au contraire, les défend. Vous n'allez jamais. Regardez ces vidéos, il n'a jamais parlé de ça. Pas son camarade. Nous dénonçons la sorcellerie. Ce n'est pas une chose qu'on doit cajoler. C'est quelque chose qu'on doit dénoncer et condamner la pratique. Or, quand tu es dans ça, évidemment, tu es toujours menacé de mort. Depuis que nous sommes dans cette histoire, tous les féticheurs de Côte d'Ivoire ne reçoivent plus des clients. Et ils reçoivent des clients. Nous nous sauvons des âmes pour Jésus. Amen. Ils ont des clients. Donc, s'il n'y a pas de clients, ils vont attaquer le prophète Crasso, c'est normal. Il a dit des saletés, le prophète, tant. Je l'ai vu la dernière fois à la télé. On dit, voyez, Asie 47. Lui, mais c'est la première fois qu'il me voyait. Je suis monté à la télé, la 2. J'ai réduit tout ce que j'avais l'habitude de dire. Je ne suis pas en conflit avec lui. Il n'a qu'à respecter Jésus. C'est tout ce qu'il dit. Il ne peut pas se mettre dans un journal pour insulter l'église de Dieu. Pour dire la paralysée, pasteur. Il faut qu'il respecte l'église de Dieu. Il a eu affaire à moi. Mais l'histoire retiendra quelque chose de nous deux. Mais lui, il dit, je vais mourir. Je ne suis pas mort. Mais il va se convertir. C'est là qu'il va voir qu'il a eu affaire à un coin. Et puis vite. Parce qu'il a dit ça au nom de Dieu. Je prends toute la juridiction, le droit de l'homme dans le monde entier. Menace de mort mérite la prison à partir de 15 à 10 ans d'emprisonnement. Et je ne suis pas n'importe qui. Imaginez où mon fils voit une vidéo où on dit son papa doit mourir en fin d'année. Il s'est traumatisé. C'est déjà quelque chose. Imaginez-vous les gens qui m'aiment dans le monde entier, ce vulgaire là. C'est insolent. Parce que quand vous voyez un parler, il insulte. Moi, je suis étiqueté.
Parce que l'évangile éduque les gens. L'évangile ne nous permet pas d'insulter les gens. Nous respectons le droit des gens. Nous respectons l'homme. Nous sommes très bien éduqués. Comme eux sont enfants du diable, ils ne travaillent que pour le diable. Voici le mensonge. Nous sommes au 1er janvier 2016. Et je, jusqu'à lundi, je lui réponds. J'ai appelé la type. J'ai dit, Aziz, t'as dit, j'allais mourir. Je suis vivant. Hein. Donc, mon droit de répondre, il me fuit. Donc, ça dit que vous travaillez ensemble. Vous travaillez ensemble. Et quelqu'un passe mettre sur votre télévision en train de m'insulter. Non seulement ça, c'est un jeu public. C'est ce qu'on appelle un jeu public. Il n'est pas intellectuel. Il sait pas que je vais retourner ce qu'il a fait là contre lui. Amen. Mais en même temps, pour qui je suis vivant, merci pour les prix. Joyeux anniversaire au prophète. Merci pour les prix. Pour lui, mesdames et messieurs. Merci. C'est l'émotion qui fait qu'il tape beaucoup de sang. Tant que j'aurai le sou de vie, je vais attaquer la sorcellerie. Amen. J'ai eu plus de menaces que ça. Ça, c'est rien. Ça, c'est rien. Des sorciers mangeurs d'art. Pour raser les deux os, ils ont pris des mains. Qui m'affrontent. Les ogos de la Guinée, ils sont tombés. Ils m'ont fait des abeilles mystiques. Eux-mêmes, c'est les deux contre, ils sont tombés. Je ne suis pas ma première chose. Pour moi, laisser les gens vivre leur vie. Ndjarama, Ndjarama. C'est notre neveu. Les gens nous poulent. Les gens doivent vivre leur vie librement. Amen. Amen. Merci pour votre soutien. Ovation pour le prophète, je vous en prie. Vous allez faire grand pleurer, les pas pleurer. Il dit, vous pouvez être là, difficilement. Il pleure, il pleure, il pleure. Merci. Merci pour tout. Merci pour les amis, merci pour les frères, merci pour les proches. Je suis très heureux d'avoir un nom de plus. Et Dieu merci. Et le combat est continu. Tant que je suis le sou de vie, j'attaquerai la sorcellerie. Amen. Ovation, louvé, Cora. Que Dieu bénisse, merci pour le amiral. Soyez bénis au nom de Jésus. Le maréchal de la brigade anti-sorcière. Il s'est dit dans la brouille et d'autres, et bien, mais il a dit, 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 mais Come on, let's go.